Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission pour parler de la sécurité sanitaire en élevage bovin. Et pour cela, je suis en compagnie de Béatrice Mounex. Béatrice, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes au service santé et bien-être des ruminants à l'Institut de l'élevage. Et concrètement, on sait que la mise en place de bonnes pratiques sanitaires en élevage permettent de réduire le recours aux antibiotiques, aux traitements en général. Mais alors, par quoi ça passe ? Alors, en élevage de bovins, ça passe essentiellement par le bâtiment. Pourquoi ? Parce que finalement, assurer la sécurité sanitaire des animaux, ça va être d'abord bien aménager, bien concevoir les aires de vie des animaux, leur confort bien sûr, mais aussi la propreté, l'ambiance. Ça, c'est le premier point, c'est le point clé. Ensuite, ça va être aussi organisé autour de ces zones de vie, des zones de travail identifiées. Pourquoi ? Parce que ces zones de travail, ce sont des zones où on va intervenir sur l'animal et où potentiellement vont pouvoir intervenir des intervenants extérieurs qui peuvent amener, s'ils ont des règles d'hygiène un peu défaillantes, des pathogènes dans le troupeau. Et puis enfin, ça va être travailler avec une organisation de travail qui fait qu'on évite de croiser circuit sale et circuit propre. Alors qu'est-ce que c'est ? Circuit sale, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, qui est potentiellement à risque, les livraisons, les intervenants extérieurs, le négoce, l'insémination. Et les circuits propres, eh bien, c'est les zones de circulation ou de vie des animaux. Voilà. Ça peut être même la mélangeuse, en fait. Ça peut être effectivement la mélangeuse. Ça peut être surtout tous les animaux. Alors, la mélangeuse, quand elle est partagée, par exemple, entre plusieurs éleveurs, là, effectivement, il y a un vrai risque. Et en tout cas, c'est tout le matériel qui n'est pas bien nettoyé et ou qui est partagé ou mutualisé. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets en vache laitière comme en vache allaitante de mise en place de bonnes pratiques ? Alors, il y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. L'exemple d'une éleveuse de vaches laitières qui s'occupait de sa nurserie de veaux et qui avait d'énormes problèmes de diarrhée et qui a résolu en fait ces problèmes de diarrhée des petits veaux en appliquant des règles de sécurité sanitaire très strictes avec un protocole de soins des animaux individualisés. Les seaux sont individualisés, chaque veau a son seau et le garde pendant toute la période nurserie. Les seaux sont lavés individuellement, ne sont pas stockés ensemble. Et elle témoignait sur cet exemple en disant qu'elle avait résolu son problème. Comme quoi, et avec puis, des petites choses, en fait. Voilà. En bovin allaitant, on peut penser aussi à cet éleveur dans le centre de la France qui, finalement, trouvait que c'était compliqué de demander du dépistage lorsqu'il achetait des animaux à ses collègues éleveurs et qui, donc, finalement, avait résolu le problème en installant une zone de quarantaine où il faisait rentrer les génisses de renouvellement et où il dépistait, faisait faire des prises de sang, regardait avec son vétérinaire quels étaient les risques avant de les introduire. Donc ça lui permettait d'avoir un négoce, apaisé avec ses collègues et puis par contre de ne pas prendre de risques dans son troupeau. Alors justement, on sait qu'en élevage hors sol, donc porc ou volaille, ils ont des règles d'hygiène assez drastiques. Est-ce qu'on peut s'en inspirer ? Est-ce que c'est applicable en élevage bovin ? Alors, c'est compliqué parce que, ce dont on parle là, il s'agit de biosécurité. Ce mot-là, il est très peu accepté par les éleveurs de bovins, justement parce qu'ils considèrent que c'est un mot qui s'applique à des élevages hors sol, dans des bâtiments fermés, et que ce n'est pas l'image qu'ils ont et la réalité, en fait, de l'élevage de bovins. Malgré tout, c'est une source d'inspiration et qui probablement a d'autant plus d'actualité. Sur certaines pratiques, par exemple le nettoyage et la désinfection, on peut s'inspirer effectivement de ce qui est fait dans d'autres productions, et notamment dans un contexte où on a un changement des systèmes d'élevage, et parfois de l'agrandissement des troupeaux, qui fait que peut-être les risques sanitaires doivent être un peu réévalués. En revanche, est-ce qu'il sera nécessaire un jour de désinfecter autant, comme ce qu'on peut voir dans les bâtiments volailles, par exemple ? Non, probablement pas. D'abord parce que le système en bovin, que ce soit en viande ou en lait, on n'est pas sur des systèmes de bandes. On a assez peu quand même de périodes de vide des bâtiments, même si ça peut se trouver. En allaitant, il y a une période, la période de mise à l'herbe, généralement le bâtiment est vide. En bovin laitier, c'est plus compliqué. Mais dans certaines situations encore, et quand le sanitaire le nécessite, c'est une pratique qui a de l'efficacité et un intérêt. Alors c'est parfois difficile quand on se retrouve tout seul sur sa ferme un peu de se rendre compte de ces pratiques. Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration un peu à conseiller aux éleveurs ?
Alors, dans le cadre d'un projet qui a été financé par le plan Eco-Antibio, on a travaillé avec des groupes d'éleveurs de bovins allaitants et on a élaboré avec ces éleveurs un outil d'autodiagnostic, en fait, des pratiques de biosécurité, en partant du constat qu'ont fait ces éleveurs, que finalement, il fallait qu'ils sachent où ils en sont, en fait, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de pas bien et sur quoi ils pourraient s'améliorer. Parce que finalement, les bonnes pratiques de biosécurité ou de sécurité sanitaire, elles sont individuelles. En fait, ça dépend du contexte sanitaire de l'élevage. Et donc, du coup, on a un outil qu'on espère du coup diffuser rapidement pour faire la sensibilisation du plus grand nombre d'éleveurs. Eh ben, à voir alors dès qu'il sera mis en place. Je vous remercie pour ce témoignage, Béatrice. Je vous remercie. Et du coup, retrouver des reportages sur des éleveurs qui ont mis ces pratiques en place sur webagri.fr.